Depuis plus d'un siècle, des millions de lecteurs se sont passionnés pour les héros d'une des plus belles histoires d'amour qui ait jamais été écrite. Comment l'amour peut-il être un péché? Il n'y a qu'un seul péché, c'est de ne pas aimer. L'œuvre immortelle de celui qui connaissait le mieux le cœur humain vient d'être portée à l'écran. Des moyens tout à fait exceptionnels ont été mis en œuvre afin de reconstituer dans toute son ampleur le cadre où se déroule l'action de cet émouvant et passionnant roman d'amour et d'aventure. Et pour faire revivre les personnages inoubliables de Stendhal, le réalisateur du film Christian Jacques a choisi les acteurs qui pouvaient incarner le plus parfaitement les héros de la Chartreuse de Parme, tels que vous avez pu les imaginer à la lecture du livre. Voici Fabrice Del Dongo, véritable héros de légende. Fabrice, jeune, impétueux, passionné, romantique. La douce Clélia Conti. La belle et ardente duchesse de Sanseverina. Le subtil Mosca. Rassi, chef de la police, exécuteur des basses œuvres. Ernest IV, prince de Parme, despote et cruel. L'inquiétant Grillo. Général Conti, gouverneur de la sinistre tour Farnèse. Le proscrit Palla. C'est vous qui avez tout fait. C'est vous qui avez tout préparé. C'est vous qui l'avez livré. Mais vous êtes la jeunesse mère. Tandis que moi. La Sanseverina quitte Parme. Plus de Sanseverina. Qu'est-ce qui se passe? Mosca suit la Sanseverina. Plus de Mosca. Alors cette nuit, demain, on peut me le ramener avec un couteau dans la poitrine? Fabrice est entre mes mains. Et aussi bête qu'un trou dressé.